Alors, pour monter les roulements, si il y a des caches poussières, les enlever à la lame de cutter. Si ça veut sortir, j'installe une petite barre de fer sur l'étau pour y poser mon vibrequin pour pouvoir taper verticalement sans mettre en porte-à-faux le vibrequin. J'installe ma petite rondelle, je loge le roulement, je prends un tube du diamètre intérieur du roulement pour enfoncer le roulement. Et d'un. Et pareil de l'autre côté. Hop. La rondelle. Les caches poussières. Et voilà. En moins d'une minute ou en une minute, comment monter les roulements sans souci. À bientôt.